Bonjour, alors voilà une petite vidéo ici de Tunisie où je viens de terminer une formation sur la gestion des conflits. Ici, je suis dans la salle de formation, les gens viennent de partir. Et je voulais en profiter pour partager cette réflexion que j'avais avec des personnes aujourd'hui sur les conflits. En fait, on aspire tous à vivre une vie sans conflit, une vie sans tension, sans stress. Et on peut remarquer que quand on est dans les conflits, il y a un point commun. Chaque fois qu'on était dans des conflits, le point commun, c'était qu'on juge en permanence. Il ne peut pas y avoir de conflit s'il n'y a pas de jugement. C'est difficile d'imaginer un conflit sans jugement. En fait, dès qu'il y a conflit, il y a forcément jugement. Alors, je propose de parcourir un petit peu en marchant, voilà, partager les réflexions que j'ai eues à ce niveau-là, parce que ça peut nous inciter à nous améliorer pour éviter les conflits et pour augmenter la qualité de vie, de notre vie. Et revenons à cette idée de jugement. Hein, on peut constater que chaque fois qu'on a été en conflit dans notre vie, je parle pour moi, j'imagine que c'est pareil pour vous, à chaque fois que nous avons été en conflit, c'est parce que nous étions dans des jugements. Et un jugement qui revient souvent en situation de conflit, que ce soit qu'on soit en conflit avec notre famille, notre mari, notre femme, nos copains, peu importe finalement, nos collègues, un des jugements qui vient le plus souvent, qui est vraiment un poison de l'esprit, je pense. C'est vraiment un dominateur commun dans tous les conflits, c'est le jugement suivant. C'est de penser que l'autre pourrait faire mieux. L'autre aurait pu faire plus d'efforts, par exemple. L'autre aurait pu mieux comprendre. L'autre aurait pu être plus à l'écoute, être plus gentil, être plus ceci. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte du côté pernicieux de ce jugement, parce que évidemment, si on pense sincèrement que l'autre aurait pu mieux faire, ben ça va générer en nous des émotions de colère, des émotions de tristesse, qui vont bien sûr pas du tout nous aider à être mieux, à être plus serein. Alors, nous avons tous vécu des situations où nous étions nous-mêmes dans des comportements ou des émotions où nous ne sommes pas fiers. Je pense qu'on a tous vécu ça. On a tous vécu des situations où on a eu un comportement un peu exagéré. On a eu parfois des mots qui peuvent avoir des mots ou des comportements qui ont dépassé notre pensée. On a tous fait des choses qu'aujourd'hui on ne referait sans doute plus. Hein, on a tous un jour menti, on a tous un jour été méchant, sans vraiment mauvaise intention, mais on l'a tous fait. Je suis sûr qu'on l'a tous fait, moi j'ai déjà fait, j'imagine que vous aussi. Quand on était petit, on a fait des bêtises, donc on a tous eu des comportements qui n'étaient pas parfaits. Et si vous reprenez ces comportements, dans beaucoup de cas, quand on analyse vraiment dans l'état dans lequel nous étions en le faisant, on peut souvent dire que on aurait pu difficilement mieux faire à ce moment-là. Par exemple, je sais pas, j'étais très énervé et j'ai klaxonné sur quelqu'un dans la route, sur la route. Imaginons, je l'ai insulté. Avec le recul, je trouve que c'était, j'aurais pu mieux faire. Mais à ce moment-là, j'étais tellement dans l'énervement, j'étais tellement dans des problèmes, j'étais tellement dans une chimie émotionnelle particulière, mon corps était rempli d'adrénaline par exemple, que j'aurais pu difficilement mieux faire à ce moment-là. J'aurais pu mieux faire, j'aurais pu ne pas être dans cet état-là, évidemment, de manière idéale, mais je l'étais. Et comme je l'étais, eh bien, quand on est dans cet état-là, un état de fatigue par exemple, ça peut être un état de fatigue et on s'énerve facilement. Mais quand on est fatigué, on a très dur à faire mieux que ça. Dans l'idéal, on pourrait faire mieux, mais il se fait qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas assez d'énergie, ou tout simplement, on est tellement rempli d'émotions, de frustration, que il est difficile pour nous d'accéder à un autre comportement, un comportement ou une pensée de meilleure qualité. Imaginez que vous ayez un ami qui est saoul ou qui est drogué. Il va vous sembler normal qu'il va se comporter de manière bizarre, peut-être irrespectueuse. Il va pas pouvoir marcher droit dans la rue, il va commencer à divaguer. Et on va trouver ça normal parce qu'il forcément, puisqu'il est drogué, puisqu'il est saoul, c'est normal qu'il ait ce comportement. Alors vous voyez, on est dans la compréhension et on n'est pas en train de se dire il pourrait mieux faire. Non, on sait bien qu'il pourrait pas mieux faire puisqu'il est drogué, puisqu'il est saoul. Eh bien, quand nous sommes dans les émotions, c'est un peu pareil. En fait, pour moi, je ne vois pas de grande différence entre quelqu'un qui est saoul et quelqu'un qui est rempli de colère.
C'est un peu le même situation, c'est-à-dire que quelqu'un qui est rempli de colère, c'est quelqu'un qui a ses cellules qui sont bombardées de chimie, des substances chimiques qui sont reliées aux émotions de la colère. La noradrénaline, l'adrénaline, le cortisol. Et donc c'est un peu comme une drogue. Alors, en fait, toutes les émotions qu'on n'arrive pas à maîtriser, on en est quelque part dépendant, comme un drogué. On est complètement pris par ce chimie et on a très difficile à faire autrement. Alors si ça nous est arrivé à nous, d'avoir été dans des moments où on se dit mais finalement c'est vrai, j'étais tellement fatigué, j'étais tellement stressé que j'aurais pu difficilement mieux faire. Ben, si ça nous est arrivé, ça peut arriver à d'autres. Et je trouve que, en tout cas, le fait de comprendre ce phénomène, même si dans la réalité on a toujours un libre arbitre, le fait de comprendre ce phénomène, ça nous permet d'avoir une plus grande tolérance, une plus grande compréhension de la nature humaine. Et ça nous évite le jugement, ce jugement pernicieux dont je parlais tout à l'heure, qui est « cette personne pourrait mieux faire ». Cette personne pourrait se comporter autrement. Parce que c'est cette pensée-là qui va générer tout le conflit, qui vraiment est la racine du conflit. Parce qu'une fois, imaginons que j'ai quelqu'un qui est saoul, qui marche pas droit et qui me cogne. Ok, il est saoul. Bon, il devrait pas être saoul, mais il est saoul. Je comprends qu'il ne peut pas faire autrement. Il voit pas très clair. Vous voyez? Eh bien, ce serait bien que nous puissions avoir la même tolérance envers les gens avec qui nous sommes en conflit. En tout cas, c'est un objectif noble parce que ça nous permet d'être en meilleure santé, de nous préserver de ces émotions négatives qui nous détruisent complètement. La colère, si je pense que mon mari ou mon copain ou ma femme aurait pu mieux faire, aurait pu être plus gentil, aurait pu faire un effort, mais ça me détruit complètement cette pensée. Parce que je me dis, j'ai pas de chance, c'est une crapule, c'est un ceci. J'emploie des mots forts à dessein pour montrer qu'on peut aller carrément jusqu'à la haine de l'autre, alors qu'au début il y avait de l'amour. Je pense par exemple aux relations affectives plus intimes. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent en cabinet, où je vois des gens qui sont déchirés par la haine. Et en fait, on voit bien qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce cercle vicieux des ressentiments, des ruminations, parce qu'il y a là-bas cette pensée, cette croyance qui est que l'autre aurait pu mieux faire, aurait pu être plus respectueux, aurait pu faire plus ceci. Or, est-ce qu'on en est tellement sûr que cette personne aurait pu mieux faire? Il y a une croyance qu'on retrouve dans beaucoup de spiritualité et qui commence à faire son chemin dans le développement personnel, que j'aime beaucoup, j'en parle dans mon livre, qui est chaque personne est à chaque moment, à chaque instant, à son plus haut niveau de conscience. Ça veut dire que si la personne ne se comporte pas autrement, c'est que sans doute, à ce moment-là, elle ne pouvait pas faire autrement. Alors ça n'enlève pas le libre arbitre des gens, entendons-nous bien là-dessus. C'est pas du tout, c'est paradoxal, mais on peut avoir les deux. On peut avoir le libre arbitre et en même temps être prisonnier dans un état chimique, dans un environnement qui fait que, avec les croyances qu'on a reçues, avec l'éducation qu'on a eue, tout le passé qu'on a eu, l'état émotionnel dans lequel on est, l'état énergétique dans lequel on est, ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, eh bien parfois on ne sait pas faire autrement. Et ça permet vraiment de lâcher prise. Et c'est ça, en fait, finalement, à quoi je voulais venir comme réflexion. Là, je suis en train de marcher, donc peut-être ma pensée n'est pas très structurée. Mais l'idée, c'était de comprendre que ce qui va nous aider à nous sentir mieux et à éviter les conflits, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise qui part de cette compréhension que les gens font toujours de leur mieux, avec ce qu'ils ont. Parce que l'être humain est naturellement bon, l'être humain est naturellement un être qui a envie d'être heureux et qui a envie d'être dans l'harmonie. Mais parfois, il est dans de telles circonstances qu'il ne sait pas faire autrement que d'être agressif. Quand on n'a pas dormi pendant 3 jours, on est très agressif et on a très difficile à faire mieux que ça, à ne pas être agressif. Donc voilà, le lâcher prise qui nous amène à l'acceptation. L'acceptation que les gens sont où ils en sont et que si on leur en donnait les moyens, s'ils s'en donnaient eux-mêmes les moyens, ils pourraient faire mieux, c'est vrai. Mais à cet instant-là, ce n'est pas possible. Et donc, il y a une tension qui s'en va. Je lâche prise et je vous invite à tester cette pensée, à voir avec les gens avec lesquels vous en voulez à certaines personnes. Je vous invite à tester cette pensée et à voir ce que ça vous fait. Cette idée de lâcher prise avec ce jugement, et ça vous permet également d'être beaucoup plus dans l'instant. Parce que dans l'instant, il n'y a pas de mental. Et donc, ce jugement, c'est relié à du passé.
Or là, en arrêtant ce jugement, je ne suis plus dans le passé, je suis totalement dans l'instant. Et je peux vraiment commencer à profiter de la vie, profiter de tout ce que la beauté de l'instant présent m'amène. Donc en quittant ce mental grâce à ce lâcher-prise, eh bien, je peux beaucoup mieux cultiver le bonheur intérieur. Je peux jouir du présent avec toute la force de mes sens. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous. Et j'espère que ce partage, cette réflexion vous a inspiré. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez d'autres avis, à laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire.